de bonnes nouvelles. Dites-moi tout. On a retrouvé des miliciens de Pony dans le fleuve. Elles sont bizarres, vos nouvelles. Le South Club est derrière tout ça. La mafia est en période électorale. Et un des candidats est visiblement en train de se déchaîner. Moi aussi, je veux voter. Alors, au boulot. Non mais à quoi ça sert? Que dalle. Je vais regarder. Il paraît que vous avez terrorisé le club. Je donnerais cher pour entendre ce qui se passe dans leur salle de réunion. Mon domaine à moi, c'est plutôt la rue. Ouais, c'est ce que j'aime chez vous. Enfin, vous avez compris. Non. Oh, arrêtez! On joue pas à ce petit jeu, d'accord? Je suis vraiment pas d'humeur. La dame fait trop de protestations, ce me semble. Ah, et pas de Shakespeare non plus, hein? C'est de la triche.
Ray, s'il te plaît, dis-moi que c'est pas une idée de merde. On sait que ces gars-là surveillent ton ancienne piole. Donc, on va t'utiliser histoire d'attirer leur attention et remonter jusqu'à la source. Ah ouais ? Eh ben, je marche pas. Je me ferai un plaisir d'écouter tes inquiétudes sur le chemin. Ça y est, t'es prêt ? Non. Tant mieux. Allons-y. Je fais quoi si je vois quelqu'un ? Tu restes normal. Faut qu'il se doute de rien. Normal comment ? Normal pour toi ou normal pour moi ? Parce que pour moi, normalement, j'évite les gens comme la peste. Surtout les gens dangereux. Normal comme normal. J'ai besoin d'un peu de temps pour accéder à leurs données et voir si je trouve quelque chose. Toi, tu te contentes de marcher, je serai derrière toi. Mais qu'est-ce qui te fait croire que ça va marcher ? Non seulement ils sont à ta recherche, mais en plus, ils savent que t'habites à Clodoville. Appelle pas ça comme ça. Donc, si tu vas à la pêche au fixeur, moi je suis quoi, moi ? Je suis l'appât ? Non, je préfère dire que t'es un élément essentiel. Ouais, un appât, quoi. Et ici, ils se décident à bouger. Mais c'est exactement ce qu'on veut. Et c'est là que j'interviens. S'ils donnent l'alerte, ou s'ils s'enfuient, je pourrais remonter jusqu'à la source. T'inquiète, fais-moi confiance. Oh. Quoi ? Tu veux que je te le répète ? Ah ! Oui, parce que je te ferais dire qu'à l'origine, c'est toi la cause de mes problèmes de confiance. Eh oh, qui est-ce qui t'a sorti de ce putain de coffre ? Ouais, bon, y a eu ça, ouais, c'est vrai. Un peu, mon gars. Même si je me demande encore pourquoi ça a pris si longtemps. Et si on se disait qu'on fermait notre gueule jusqu'à ce qu'on arrive ? Eh ben, ça me va. Ouais, fait quand même flipper, ton plan. Ouais, c'est ça, m'écoute pas. On m'écoute jamais, de toute façon. Ouais. Toi, tout ce que t'as à faire, c'est marcher. Ouais. Fastoche, non ? Ouais, fastoche. Et si les fixeurs se pointent ? Ouais. Eh ben, je te couvre. Ok. Ça va, t'as compris ? Ouais. C'est notre piège. Ouais. Répète. C'est notre piège. C'est notre piège. C'est notre piège. Tobias ! Ouais. Le dis pas à haute voix, sinon ils vont savoir que c'est un piège. Ah ouais, c'est vrai. C'est notre piège. J'ai déjà perdu. Ray, t'es trop près, ils vont me voir. C'est pas parce que c'est ma sœur que je dois accepter toutes ces conneries. Elle devait rester deux mois. Il me fait peur, ce mec. Il a vraiment pas l'air net. Apparemment, c'est un détective privé. Mais t'inquiète pas, il en a pas après toi. Le type sur le banc, là, il me lâche pas les yeux. C'est un ouvrier en pause déjeuner, Frouer. Alors continue. T'inquiète, il va retrouver ses amis. Tout va bien.
panique pas, mais il y a un type qui te suit. Je panique pas, je panique pas. Hé, hey, mon gars, t'aurais pas une petite pièce pour un vétéran ? Non mais attends, j'ai l'air d'avoir de l'argent, moi. Non mais sérieux. Hé, hey, t'es pas obligé de répondre comme ça. Je te demande juste un petit coup de main. Bordel. C'est bon, il t'y vais pas, en fait. Par contre, le clodo qui arrive, j'ai aucune donnée sur lui. Oh, pour qui, toi, hein ? En foutez-moi la paix ! Tu me pointes chez moi, sans invitation ? Mais on est en pleine rue, là ! C'est pas chez vous que je sache ! Débarrasse-toi de lui, putain ! On n'a pas de temps à perdre, mon pote. S'il vous plaît, hein, vous dégagez ou je vous nique la tête. Tu niques la tête ? T'es vraiment un gros enfoiré de bâtard comme mec, toi. Oui, d'accord. Au revoir. Et merci. Tobias, fais gaffe ! Ça va, c'est bon. Tu peux ouvrir. La voie est libre. Si t'avais un flingue sur la tempe, c'est exactement ce que tu dirais. La différence, c'est que moi, j'ai pas un flingue sur la tempe. Ouais, bah voilà, ça aussi, tu le dirais. Putain. J'ai pas le temps pour ce genre de conneries. Eh merde. V'là la cavalerie. Je vais pas avoir le temps de localiser son portable. Foueur ! Faut que tu m'aides, là ! Les caméras, Ray ! J'ai installé des flingues sur les caméras ! Putain, alors là, je suis bluffé ! Des grenades ? Près de l'autoroute ? Ouais. Je l'ai pas visé sur le coup. Sans blague, putain ! Oh, je m'attendais à un type ou deux, mais tout ça... Rien que pour voir. C'est pas avec nous avec les arrêtés municipaux, ça, pour voir. Ouais, on s'en fout. Pour la mairie, c'est comme si cette zone n'existait pas. Ça va exploser. Mais c'est pas vrai! En train de nous aligner. Un coup de pied.
vu un truc bouger. Il doit y avoir une séquence de désactivation. Faut que je trouve où mène ce putain de portable. On va voir si c'est mon jour de chance. Bingo. Faut que je reste assez près de lui pour tracer le signal de son GPS et savoir où il est allé. Juste pour Frouer. D'accord, il est instable et armé. Mais de là envoyer autant de gars, il y a quelque chose qui m'échappe. J'espère que Steve pourra me donner ce qu'il me faut. T'aimes bien faire des allers-retours à un chantier en construction, toi. C'est bien, et en plus, c'est pas suspect du tout. Ok, je crois que j'ai localisé leur planque, Frouer. De ton côté, t'aurais pas l'intention d'aller prendre un peu l'air? Ouais. Ok. Retrouve-moi chez Quinky. Sérieux, tu bouffes cette merde? Je bouffe ce que je peux, hein. Je te signale qu'avec les coupons alimentaires, le gouvernement peut nous repérer, hein. Alors moi, je marche surtout avec ce qu'on me donne, tu vois. Ok, chez Quinky. On se voit là-bas. Voyons ce qu'on a là. Bonjour, je suis Charlotte Gardner, porte-parole de Bloom. Comme vous le savez, le taux de criminalité de la ville a considérablement diminué depuis la mise en place du CityOS à Chicago. La sécurité des habitants de la ville est la priorité de notre système. L'an dernier, Aiden Pierce a lancé une attaque terroriste contre le CityOS, mais il a été incapable de contourner nos mesures de sécurité. Avec la coopération de la police de Chicago, Bloom offre une récompense de $100,000 pour toute information susceptible d'aider à la capture d'Aiden Pierce. Je vous remercie pour votre attention et pour votre contribution à faire de Chicago une ville plus sûre. Sécurité, mais cool, ouais. Bloom veut juste que la population les aide à gagner leur petite guerre.
Ok, je crois que j'ai localisé leur planque, Frouer. De ton côté, t'aurais pas l'intention d'aller prendre un peu l'air? Ouais. Ok. Retrouve-moi chez Quinky. Sérieux, tu bouffes cette merde? Je bouffe ce que je peux, hein. Je te signale qu'avec les coupons alimentaires, le gouvernement peut nous repérer, hein. Alors moi, je marche surtout avec, avec ce qu'on me donne, tu vois. Ok, chez Quinky. On se voit là-bas. Alors, voyons ce qu'on a là. Bonjour, je suis Charlotte Gardner, porte-parole de Bloom. Comme vous le savez, le taux de criminalité de la ville a considérablement diminué depuis la mise en place du CityOS à Chicago. La sécurité des habitants de la ville est la priorité de notre système. L'an dernier, Aiden Pierce a lancé une attaque terroriste contre le CityOS, mais il a été incapable de contourner nos mesures de sécurité. Avec la coopération de la police de Chicago, Bloom offre une récompense de $100,000 pour toute information susceptible d'aider à la capture d'Aiden Pierce. Je vous remercie pour votre attention et pour votre contribution à faire de Chicago une ville plus sûre. Sécurité, mais cool, ouais. Bloom veut juste que la population les aide à gagner leur petite guéguerre. En tout cas, ça va mettre la pression sur Pierce, et s'ils arrivent à retrouver sa trace, ils vont retrouver la mienne. Faut que je reste en alerte et que je vois s'il y a moyen de garder tout ça sous contrôle. T'as envie d'un trip numérique? Quoi de neuf, Sheila? J'ai dû sous-estimer la milice de Pony. Ils utilisent de la haute technologie maintenant. Et même un accès au CityOS. J'ai repéré l'un des véhicules qu'ils utilisent pour pirater, mais il y a un problème. J'adore les problèmes. Dites-moi tout. Leur portée est limitée. En positionnant la voiture hors de portée, ils ne pourront pas faire griller les composants à distance, et on pourra les analyser. Ah ouais? Et qu'est-ce qui les empêche de les faire griller au moment où je prends le volant? La vitesse. Si vous conduisez assez vite, ils pourront pas verrouiller leur cible. Ouais, pédale au plancher, quoi. C'est dans mes cordes.
C'est bon, vous êtes hors de portée. Ouais, et j'ai déposé le joujou. Ah, j'avais pas conduit comme ça depuis l'école primaire. Faut dire qu'à l'époque, je picolais pas mal. Vous êtes sûr de vouloir en parler? Non, vaut mieux pas. Bon, on va désosser cette voiture pour comprendre ce qu'il cherchait à pirater. Merci, monsieur Mystère. Pas de problème. Vous savez, si vous avez quelque chose d'autre comme ça, bah prévenez-moi. Vous savez quoi faire? Oh que oui.
Change de coin. Sheila, c'est terminé. Bravo. Merci, Monsieur Mystère. Allez, viens. Putain, foueur! T'as braqué une pharmacie ou quoi? Tu vois ça, hein? Bah, c'est sur ordonnance. C'est pour mes brûlures d'estomac. Ça, c'est pour l'anxiété. Je crois que tout le monde devrait en prendre. Comme ça, il y aurait vachement moins de connards. Hé, hé, hé. Tu devrais en prendre un. Oh, celle-là. Celle-là, elles sont. J'y touche plus à celle-là. Non. Il faut vraiment que tu te reprennes. T'as pas besoin de ces conneries. Non, non, j'en avais pas besoin. Ray, j'avais besoin de rien avant que tu me foutes Bloom sur le cul. J'étais en parfaite santé. Écoute, je m'étais pas rendu compte que... Mais t'en fais pas, Ray. Quand les médocs font effet, je réaliserai pas non plus. Je crois qu'on est sur le point de se les faire, ces enfoirés. Tobias, je sais où on peut les trouver. Et si on arrive à savoir qui est à leur tête, eh ben, je pourrai le descendre. Et ça me donnera un peu de temps pour te tirer de là.
T'es sûr, tu vas pouvoir tenir le coup? Ah, c'est une question à la con. Je suppose que tu resteras dans la voiture quand on sera arrivé. C'est un peu complexe comme question. Oh non, c'est pas vrai. T'as encore pris des cachetons? Ouais, un petit peu. C'est juste pour le courage. T'as pas de questions. À propos de quoi? De ce qu'on est sur le point de faire. Ah, on va faire quelque chose? Attends, t'es sérieux, là? Je t'ai eu. Putain, froid, ce que t'es con! Vous avez le même décorateur d'intérieur. Et au fait, tes cachetons, t'en as pris combien? Pas trop, hein. Mais moi, je plane encore un petit peu, mais j'ai l'habitude. Ouais, t'inquiète, ça ira. J'ai l'impression qu'il y a un moment qu'il est là. Oh non, si tu m'avais pas retrouvé, je serais peut-être... Il y a rien. On dirait qu'ils l'ont effacé du système. Bon, va falloir que je trouve un moyen d'entrer. Ok, pas de panique. Il doit y avoir une séquence de désactivation. Je te répare. Réfléchis. Vous avez vu? Allez, cherchez-le. Fais gaffe. Aïe, aïe.
rester vigilant. Frouer, je vais pirater le système de sécurité, alors prépare-toi. Je vois à travers les caméras de sécurité. Apparemment, ils utilisent des ambulances pour transporter leurs victimes. Oh là là, c'est exactement le genre de cauchemar que je fais en ce moment. Faut que tu te rapproches encore. Je vais accéder à ton portable, comme ça je pourrai voir. Oh putain, c'est pas vrai. Ok, j'y vais. Il est pas rentré. Au téléphone, il disait que Ray Kenny était à ses trousses. L'équipe fouille les quais, là. Ils vont le retrouver. Ils ont intérêt, putain. Et Tobias Fowler ? Kenny est sorti de sa cachette. On n'a plus besoin d'appât, maintenant. C'est l'occasion rêvée. Si on le chope, on peut faire d'une pierre deux coups. Et la taupe ? Il y a du progrès ? Il devrait pas tarder à parler. Les gars s'occupent de lui. Ouais, j'ai entendu. Et encore une fois, tout ça, c'est ta faute. Mais comment je pouvais le savoir ? Peut-être, parce que je te l'avais dit. Ça va. Bon, t'as entendu ? Ils ont parlé d'une taupe. Si on retrouve ce type et qu'on le libère, il pourra nous dire qui dirige l'opération et où il se trouve. Alors tu m'engueuleras un autre jour. Eh ben ça, tu peux compter sur moi. Il faut que je traverse, et je viens d'avoir une idée de dingue. Tu vois cette grue ? Hey, tu te rappelles comment on a fait au bunker ? Ouais. Tu vas devoir t'occuper de ces gars le temps que j'accède aux commandes. Pour l'instant, je vois personne. Allons jeter un coup d'œil à cette grue. Moi, j'irais bien voir dans ce bateau. Si ça se trouve, la taupe est peut-être dedans. T'inquiète, je te couvre. Je vais me trouver un point pour sniper depuis là-haut. Mets-toi à l'abri. Tu peux buter ce type.
J'ai besoin d'une diversion, ouais. Ok, tu peux y aller. Il va me voir. Qu'est-ce que je fais? Vas-y doucement, Frouer. Fais gaffe, il se déplace. Je les ai tous eus. T'es toujours en vie, Frouer? Ouais, c'est un miracle. Et maintenant? On va voir ce que tu vaux comme grutier, mon pote. Baisse la caisse que je puisse monter dedans. Et s'il te plaît, Tobias, doucement. Quoi? Non, mais attends, tu veux traverser là-dedans? Il suffit que t'ailles lentement et que t'appuies pas sur le bouton d'ouverture. Je sais même pas à quoi ça ressemble, un bouton d'ouverture. Oh, ça fait plaisir, ça donne confiance. Oups. Doucement, je t'ai dit! Fais pas ça quand je suis dedans! T'inquiète, je crois savoir ce qui s'est passé. Ouais, bah attends, j'y vais. Ok, je suis prêt, mais tu te souviens? Doucement. Ok, c'est bon. Stop. Ok, Tobias. Mais attends une minute, le temps que je jette un coup d'œil. Hein? C'est vraiment bizarre. Il n'est pas censé être allumé, ce truc-là. C'était quoi, ce truc? Commencez à chercher.
Ouvrez-les. Ah. Il y a deux fixeurs qui se tirent, et ils emmènent quelqu'un avec eux. Tobias, suis-les. Que je les suive? Mais comment? Trouve un moyen, démerde-toi! Surtout reste à distance. Moi, je te rattraperai quand j'aurai fini. Froueur, j'ai trouvé quelque chose. Écoute ça. Il peut s'asseoir? Pas grave. Tiens-le debout. Début de la troisième session avec Alex Jaworski, et c'est pas le nom qu'il nous avait donné. Alex est un flic infiltré. Je suis pas flic. Je suis juste un indique, ok? Et il me paye presque rien, putain. Écoutez, écoutez. Laissez-moi partir, et je vais quitter le pays. Je vous jure. Tu vas me donner tout ce que t'as photographié, envoyé, stocké, et la liste de tes contacts. Sinon, mon pote te tranche la gueule. Non, non. Si je vous donne tout ça, vous allez me tuer juste après. Non, non. Non, non. Ah, 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 ah. Quoi? Tu m'as dit de le planter, non? Putain, comment il va parler, maintenant? Mais c'était du bluff, putain. Bon, il faut arrêter l'hémorragie. Emmène-le à l'atelier et fais-le soigner. Au moins, la prochaine fois, il saura qu'on rigole pas. Le type qu'ils ont embarqué est sûrement notre taupe. Tu les suis toujours? Il est sympa, il nous a mâché le boulot. Peut-être qu'il a des noms qui peuvent nous servir. Dis-moi quand ils s'arrêteront.